Dis donc, mon petit chat, bon, déjà, j'espère que tu vas bien, mon petit chat. Mais t'aurais pas oublié de me dire un truc, toi, par hasard, non? T'es sûr? Sûr de sûr? Moi, j'ai des doutes. Yahoo, Bidimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour un Ibis effet prank. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors, je t'explique. Je suis désolée si je regarde sur le côté, c'est juste que j'ai envoyé une note vocale comme tu as pu le voir et j'attends la réponse. Donc, je t'explique. J'ai ouvert une grande enveloppe noire, c'est des colis chinois, et dedans, je vois deux petites enveloppes. Je me dis, bon, bah, j'ai commandé deux objets à la même boutique et c'est ce qu'ils font souvent. Je mets dans une grande enveloppe et deux petites. Et puis, premier objet, je me dis, tiens. C'est bizarre, j'ai pas commandé ça. Parce que je vois en fait ça. Et c'est une image du groupe Super M. Super M, je sais plus comment ça se dit à l'anglaise. Enfin bon, toujours est-il, je vois une image du groupe Super M. Je me dis, tiens, j'ai pas commandé ça. J'ouvre le deuxième colis et là, j'aperçois, heureusement qu'il y a les étiquettes dessus, tu sais, les codes-barres. J'aperçois du coup des noms, mais je ne vois rien. Donc du coup, ça évite de me spoil. Et là, je vois... Attends, c'est lequel déjà? Ouais, bah si, c'est celui-là, parce que l'autre, on ne peut pas lire le nom. Je vois ça. Ce nom-là. Allez, fais le tour, plus. Voilà. Donc ça, c'est le groupe Atis. Je sais plus comment ça se dit vraiment. Enfin bon, voilà. Hein. Et là, Alors, je vais cacher le visage pour pas me spoil, mais je vois... Ce nom-là, voilà. Et je me dis, là, il y a une couille dans le potage, comme on dit chez moi. Donc, c'est-à-dire que je me suis fait prank. C'est-à-dire que c'est une personne, je pense à deux personnes en particulier, hein, qui a dû m'acheter ça. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On va découvrir ça ensemble. Je me suis dit que j'allais pas m'amuser à l'ouvrir tout seul et voilà, voir ma réaction. Je préfère toujours partager. Alors. Oh, ils sont trop mignons. Vais te mettre. Voilà l'image. Je pense que je vais te faire comme ça et pas en face-up parce que sinon, c'est pas marrant, tu vois pas ma réaction. Il est trop beau! Mon petit tigrou! Mon numéro 2, mon amour! Taeyang, si je prononce bien. Marc. Il est trop beau, Marc, surtout en costard comme ça. Ah, je fais bien un tour de bagnole avec toi quand tu veux. Ben Bécune. Je vais rester comme ça. Je les vois quand même, donc ne t'inquiète pas. Hop là. Ten. Ten, ten. Encore ten. Il n'en reste pas beaucoup. Il manque normalement Kai. Kai. Ça, c'est Lucas. Lucas. Il n'y a pas Kai. Kai. Je ne sais plus comment vous prononcez. Bref, il n'y a pas Kai. Oh bah merde alors. Ouais, je préférerais encore ne pas avoir Lucas ou Tenten et avoir... Oui, je surnomme Tenten. Et avoir Kai quand même les gars. Oh là, c'est quoi cette arnaque? On s'est fait arnaque. Il n'y a qu'une carte en plus de Bang Bekyun. Il n'y a qu'une carte de lui. Ah bah d'accord, les exos, ils ont été... Allez hop, dégage. Je me suis jamais acheté encore d'objets à titre. Alors pour les puristes, hein, les gros accros à la K-pop, je me contrebalance en fait de ne pas prononcer comme il faut les noms. Parce que de toute façon, moi je ne les appelle jamais par leur nom. Donc voilà. Je
Ça, c'est ma souris, hein. Oui, c'est ma souris. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Je meurs. Oh là, il est trop beau. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, c'est en format négatif. Aucun effet sur moi. Ça, c'est dans les dernières chansons. Le dernier truc là, récent. Cette beauté. Je meurs. Il faut savoir que lui, donc celui que moi je surnomme la souris, c'est mon numéro 1 dans ce groupe. Il est trop mignon. Ah, attends. Il y a trop... Encore en format négatif, ok. Ah, ça c'est pas la chanson. Say My Name. Oh, il est trop beau comme ça. Oh, il est trop chou. Oh non. Voilà, à côté Bad Boy. Oh, celle-là, elle est belle. Oh, celle-là, elle est belle. J'en ai fait tomber. Bon. En fait, ils ont mis toutes les photos officielles, je pense. Par contre, on en parle ou pas de leur découpe. Il est tout mignon. Oh. Et les deux cartes qui manquaient, c'était ces deux-là. Il est trop chou. Je préfère celle-là que l'autre, mais... Oh, il est trop mignon. Et l'autre, c'est lequel du coup des deux, celui-là? Bah, un remarque, je suis con. Lequel des deux, c'est... Bah, c'est forcément Monsieur Steak, parce que Monsieur Guépard, c'est... c'est San. Leurs trucs, ils sont mal faits parce qu'ils sont... C'est tellement mal découpé qu'il y a des cartes qui sont trop grosses et d'autres qui sont trop petites. Attends, hop, voilà. On va faire en deux fois, ça passera peut-être mieux. Voilà. C'est ça. Ça, c'est Monsieur Steak. Parce qu'à mes yeux, je trouve qu'il a des fois un regard séducteur, pardon. Et que du coup, ben, on est un morceau steak pour lui. Oh, il était trop beau comme ça. Je préfère en brun perso. Ouais. Oh mon dieu, mais il est beau là. Oh là 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 là. Mon dieu. Il est trop beau. Oh là, je trouve juste magnifique comme ça. Moi, je préfère vraiment avec les cheveux bruns plutôt que les cheveux blonds. Il n'y a pas photo. Oh là 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 là. Ah, oh, j'adore cette chanson avec. Wow. J'aime bien cette tenue quand même là, qu'il avait tout à l'heure aussi dans les images. Et la dernière, c'est pas ma préférée. Non, là, il y a une... Là, tu me fais aucun effet, désolée chérie. Là, ouais. Mais là... Donc du coup, pour l'instant, je ne sais toujours pas qui m'a envoyé ça, donc merci à toi de m'avoir envoyé ça. Pour ce qui est de Atis, vu que c'est un groupe que je connais depuis pas très longtemps, à savoir que j'aime bien aussi San. Et il ne fait pas partie officiellement de mes favoris, mais j'adore aussi lui. Je vais éviter de prononcer le nom parce que je suis sûre que je vais merder et qu'on va encore me le reprocher en me disant « Ouais, mais en fait, tu sais même pas prononcer leur nom, tu devrais avoir honte. Enfin, » En fait, moi, regarde, le dernier, je l'appelle le steak, l'autre, je l'appelle la souris. Taeyang, je le surnomme moi le tigre, Marc le caméléon. Enfin, Marc, c'est facile aussi à prononcer. Voilà, toujours dit, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!